Bonjour et bienvenue dans cette toute première émission de Flash Halo. Je suis cette année encore accompagnée de Jeanne, la sorcière. Bonjour. Et Erin Garou. Alors Erin Garou, par quoi vas-tu commencer? L'une des premières choses à laquelle on pense quand on arrive à Halloween, les bonbons. Parmi les meilleurs bonbons pour cette fête, on trouve ceux en forme d'œil, les dentiers, les serpents ou encore les araignées. Mais savez-vous d'où vient cette tradition? Moi je sais, en Irlande. Exactement, même si cette tradition a été rendue populaire par les Américains. Ça donne faim tout ça, mais si on n'aime pas les bonbons, qu'est-ce qu'on peut faire? À Lille, nous avons un nouveau projet. On peut écrire des messages aux futurs Lillois du 23e siècle. Puis ensuite, les lettres seront déposées au musée d'histoire naturelle de Lille. Elles seront scellées, enfouies pendant 200 ans. On peut écrire les lettres à partir de 6 ans. Et en plus, c'est gratuit. Waouh, j'ai hâte de voir tout ça. Et maintenant, Jeanne, quelles seront les activités disponibles à Lille? Il y aura par exemple un atelier de confection de décors pour Halloween au Jardin des Plantes. Les décorations seront réalisées à partir de matériaux naturels. C'est une super activité pour les personnes qui souhaiteraient réaliser leur propre déco pour la fête. Cet atelier gratuit se déroulera le 30 octobre de 9h30 à 11h. Merci pour ces infos les filles. Pour vous inscrire aux différentes activités, nous vous invitons à vous rendre sur le site de l'agenda de la ville de Lille, pages 21 et 22, ce qui vous permettra aussi de découvrir les autres activités disponibles. Erin Garou, y a-t-il d'autres choses à faire pour Halloween? Au cinéma, on peut voir Beetlejuice, Beetlejuice. Un film parfait pour Halloween et pour notre âge. C'est la suite d'un film de 1989 qui s'appelait simplement Beetlejuice. Super, mais de quoi parle ce film? À la suite d'un décès, la famille Dietz revient à la maison Winter River. La mère, Lydia, peut communiquer avec les fantômes. Et elle est toujours hantée par Beetlejuice, l'esprit frappeur, qu'il avait demandé en mariage quand elle était plus jeune. Demandé en mariage par un esprit frappeur, ça fait rêver. Oui, et de plus, sa fille Astrid, jouée par Jenna Ortega, ouvre accidentellement un portail qui mène à la vie après la mort. Les problèmes commencent alors à s'enchaîner, et ce n'est plus qu'une question de temps avant que quelqu'un ne prononce trois fois le nom de Beetlejuice, et que celui-ci ne réapparaisse. Ça a l'air génial! Et toi, Jeanne la sorcière, t'as quelque chose à proposer? Oui, pendant les vacances, notre ville propose une exposition de type « cabinet de curiosité », où on peut voir plein d'objets étranges réalisés par des ados, y compris quelques-uns de notre collège. Ça se trouve à la bibliothèque de Saint-André. Voilà une sortie sympa pour les vacances. Mais si on veut faire une activité pas forcément sur le thème d'Halloween? C'est possible, chère Halloween. Le mercredi 30 octobre, les 11-14 ans qui le souhaitent pourront se retrouver au musée de l'Hospice, Comtesse à Lille, pour un atelier sur le thème de la photographie. Cool, j'adore les appareils photo hantés. On a dit en dehors du thème d'Halloween. Donc là, à l'aide d'une boîte d'allumettes et un soupçon d'imagination, vous pourrez créer vos propres scénettes en ombre chinoise. C'est 5 euros la place. Merci pour toutes ces infos les filles, mais n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner et activer la cloche. Ah.